Aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus importantes, notamment dans l'hôtellerie indépendante. C'est certainement par rapport à l'accueil. Je trouve ça une très très bonne idée et il faudra qu'on fasse ça beaucoup plus souvent. Beaucoup d'échanges, de conseils, d'informations et puis d'échanger nos petites astuces. C'est l'accueil, c'est la gentillesse. En tant que présidente mondiale de Skol International, la plus grande association de professionnels du tourisme, avec plus de 5000 hôteliers dans notre association dans le monde entier, je pense que les femmes dans l'hôtellerie, c'est une évidence. L'hôtellerie, un métier de passion, un métier de femme. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons en plus la chance d'être accueillis chez Stéphane Vans, qui est le directeur de l'hôtel de Vendôme, qui est quand même une des plus belles adresses de Paris au niveau postal, puisque c'est un place Vendôme. Et puis, j'ai trouvé le décor tellement boudoir parisien, féminin, un peu after shopping, que je me disais on ne pouvait pas ne pas venir ici. Je voulais remercier aussi la société AR457, qui a gentiment sponsorisé notre manifestation. Ce sont des produits cosmétiques qui sont présents au Bristol et au Georges V, qui sont de très très bons produits, et en plus avec une philosophie commerciale et d'entreprise très intéressant. J'avais prévu en fait pour le lancement de Luxury Must Hospitality un dossier qui s'appellerait Des hôtels et des femmes. Luxury Must Hospitality, c'est un web magazine qui va sortir en janvier, qui a été initié par le CMH Paris, qui est une école internationale de management. De cette réunion, de cette table ronde, sortira le dossier et l'article. J'ai retenu plein de choses qui reparaîtront dans l'article au mois de janvier, dont l'empathie, le pragmatisme, l'humanité, l'engagement, enfin toutes ces qualités qui nous caractérisent, bien que nous ayons aussi des défauts et nous en sommes conscientes. Merci, un grand merci à toutes parce que c'était très sympa comme échange informel. Ah bon, c'est pas ennuyé, lui ? Non, c'était bien. C'est très très important de pouvoir se retrouver donc au moins une fois par an pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui se passe dans le monde de l'hôtellerie et surtout le management au niveau des femmes. De nombreux échanges, la sympathie, convivialité, c'est un très beau moment d'échange et de partage et très très enrichissant. On a passé un super moment, de bons échanges. C'était des moments très sympas et à refaire, absolument. Échange, convivialité, et comme l'a très justement dit Laurence, à refaire.